Bonjour, c'est Loana. Alors, je vais vous donner 10 faits sur moi. Mon surnom, quand j'étais petite, était Miette, oui. Et en fait, il l'est toujours. Ce surnom était donné par ma mère. Elle m'appelait Miette. En fait, elle avait une belle explication. Elle disait que j'étais une miette. Elle était la mie et mon père, la croûte. Donc, on formait quelque chose d'uni. Et j'étais un petit brin d'œuf, donc une petite miette. Ma plus grande phobie, les insectes. Plus c'est petit, plus ça me fait peur. Le nom de mon premier amoureux s'appelle Ganaël. Ça veut dire ange blanc en breton. Et je suis restée des années avec lui. Ça a été mon premier, j'ai été sa première. Et c'était merveilleux. Mon animal favori, c'est tout simple. C'est mon chien. C'est mon chien. J'ai un chien chinois à crête qui est formidable. Le chien de Cruella, sans poils. Il est beau. C'est le trésor de ma vie. Je suis tout le temps en train de lui faire des bisous. Mon deuxième prénom. Alors mon deuxième prénom est Isabelle. Alors la personne la plus importante à mes yeux, c'est facile, c'est ma maman. Ma maman, celle qui m'a fait naître, c'est ma créatrice, c'est celle qui veille sur moi. Elle est là, elle est dans mon sang, elle est sur ma peau, elle est dans mon cœur. Je l'aime tellement que je lui ai dit qu'un jour il faudra que je lui écrive un mot pour lui dire encore plus que je l'aime parce que c'est trop petit, je t'aime pour elle. La ville où j'aimerais vivre, tu habites déjà dans un lieu fantastique. Mais on a le projet avec ma maman toujours de partir au Portugal, donc ma ville serait peut-être Lisbonne. Mon plus gros défaut, la naïveté. Je suis naïf encore beaucoup sur beaucoup de choses et je vois jamais le mal partout. Je vois que le bon des gens, même s'ils sont mauvais. Donc je crois que c'est un très très gros défaut que j'arrive pas à m'enlever. J'ai aucun tatouage, j'ai piercing sur la langue. La pire bêtise que j'ai faite, je vais dire que c'est ma première TS, mais quand il y en a eu 7, ma mère et ma famille, ils auraient été effondrés. La vie, elle est trop précieuse. Et, merci à tous et retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux. À bientôt.